C'est devant le bonbon, le plus gros du Sénégal. Il mesure 32 mètres de circonférence. Et puis il date 850 ans, 8 siècles et demi. Par le système du carbone 14, on a réussi à le dater. Et ce bonbon auparavant, bien avant l'arrivée du christianisme et de l'islam au Sénégal, nous servait de cimetière au griot serré, batteur de tam-tam. Ces troubadours d'Afrique qui n'aimaient pas travailler la terre, cause pour laquelle la terre ne les acceptait pas. Et on disait qu'un griot mort enterré dans la terre rendait la terre malade. Cause pour laquelle on les momifiait à l'intérieur de ces trous de bois, puis on les accrochait dedans, d'une façon que les pieds ne touchent même pas la terre à l'intérieur des bois. Parce qu'on disait que même si le pied touchait la terre dedans, ça rendait la terre infertile. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor, parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des Baobabs pour les enterrer dans les cimetières comme tout. Le premier président est natif de ces sous, à 8 km de la En Boba, n'est pas en arbre comme les autres. Et le Boba est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Par exemple, commençant par les feuilles aussi, cueillies séchées au soleil, réduites en poudre, le mélangeant avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Son fruit, on l'appelle le pain de singe, pas que les singes en renfort. En le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur du fruit. En le faisant bouillir avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée. C'est l'imodium local. Et avec sa sève, il s'agit de donner un coup avec un coup de bâton. Quelques minutes après, la sève du bois en coule en quantité. Mélangé avec de la gomme arabica sans ceux de la colle. Et ça veut cette fois que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tables de sable dessinées. Le bois du bonbon, on le met comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand chose avec, parce que son bois est fibreux, puis c'est spongeux. Et si vous le grattez automatiquement, ça devient vert, c'est pas dur le bois du bonbon. On ne peut pas sculpter des masques, on ne peut pas l'utiliser comme pâte. Et même avant l'arrivée de l'industrie sisale, nous sommes censés s'en servir pour faire des cordages. Pour attacher les animaux domestiques, tirer l'eau des puits et pour faire des hamacs, pour se reposer. Avec les grosses saucisses, bouillant certains degrés, ça s'entre contre la malaria et la médecine traditionnelle. Et tout bonbon, aux environs de 500 ans, qui se creuse naturellement de cette façon, au niveau de son tronc, parce que depuis quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il forme des ouvertures naturelles au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ses 1000 ans, un bon matin, le baobab tombe et puis il est mort. Le baobab est millénaire. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs. Parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Le baobab aussi peut tomber avant l'âge de 1000 ans, accidentellement. Mais en ce moment, couché à terre, il continue de vivre couché de cala de 1000 ans. Parce que les racines du baobab ne sont pas du tout profondes. Ils sont étendus en souffrant. Avec ses racines aussi, bouillant certains degrés, ça traite contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon. Car tout est bon. Voilà. J'ai des candidats, vous pouvez accéder à l'intérieur pour voir comment Dieu a fait ces choses. C'est à l'intérieur que vous allez faire vos vœux. Et vos vœux, certes, ils seront parce que son baobab porte bonheur. C'est différent avec la phobie parce que de l'intérieur, il y a des souvertures naturelles. Une jambe, puis la fête. Mets le pied et la tête. Approchons, et puis tu fais la tête. Plonge le pied carrément. Mets la tête. Mettez la tête. Qui ont des pieds aussi courts que moi,
beautiful.